Quoi? T'as épicé? Monsieur V, enchanté. Texteur de Shaun en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? C'est quoi? Un test? C'est juste un petit sujet de réflexion. Comme... une devinette? Non, Monsieur V, c'est de l'ontologie. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Ils vont passer la nouvelle saison? Ouais! Je vous écoute. C'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech, une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Ah, pas du tout, c'est juste du suicide. Night City est le territoire d'Arasaka, on déconne pas avec eux ici. C'est le jeu. Gros risque, grosse récompense. C'est la première règle de l'Afterlife. Et puis, je ne suis pas stupide. Ils ne pourront jamais remonter jusqu'à nous parce qu'on va faire ça discretos comme des pros. On est d'accord? Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? Deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler sa fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Insère l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce qu'on voit transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis « s'appelait » parce que Brick était leur chef. Mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. C'est qui, la diva? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ce rendez-vous? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et s'en est resté là.
En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug, ne fais pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Lizzie's. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Dernière chose, monsieur V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire, hein ? À plus. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein. Au propre comme au figuré. Ce type sait comment protéger ses affaires, y a pas à dire. Il veut nous confier des petits coups. Un genre de travail préparatoire avant de nous mettre sur du lourd. Y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, j'en ai entendu parler. Rolls contre Brick, un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... je sais pas trop si ça sera vraiment utile. Bon. Et y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi ? Le Dex, il va faire quoi ? Se balader en limo en ramenant des filles par rouleau ? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi ? Le Maelstrom ou Parker ? Allons d'abord frapper à la porte des Maelstromers. Fort. Orale. Je vais faire un tour à l'usine Old Foods, alors. Fouinez un peu, tâtez le terrain. Hasta luego.